Maintenant, je vais vous montrer la deuxième méthode de base qui s'appelle fluidifier le chi selon le méridien. On sait que dans les structures du corps, dans l'énergie chinoise, donc le corps s'est constitué par 12 méridiens principaux et 8 méridiens extraordinaires. 12 méridiens principaux, ils sont connectés avec les organes à l'intérieur de nous et connectés aux extrémités des quatre membres à l'extérieur. Donc, dans le mouvement, on va sentir le mouvement vient du centre, vient du bassin. Ils vont y aller jusqu'au bout de l'extrémité et au-delà. Quand le corps se communique bien à l'intérieur, il va communiquer avec l'extérieur. Et l'extérieur, au-delà des regards, aux extrémités des quatre membres et partout autour de notre corps. Il vibre dans l'espace. Donc, regarde bien cette méthode première à mouvement, à écarter l'arche des épaules. Fluidité, fais un peu de mouvement, peut-être centre, et méridien yin, l'intérieur, l'extérieur, l'intérieur, intérieur, l'extérieur, fluide, laissez le corps fluide dans le jour. Et à partir de là, on va voir le mouvement. L'extérieur méridien yang, on le laisse jusqu'à la nuque. Amenez méridien yang d'extérieur. Et méridien yin monte. Et puis on va sentir et toucher tout doucement notre corps. Comme un massage. Ah. 2, 3 et 4. Un méridien ceinture. 2, laissez le corps dans la fluidité, l'intérieur à l'extérieur. L'extérieur à l'intérieur. Et tire. Et lâche. Et lâche. 2. Petit à petit, fluide partout, on peut accélérer. Sentez le rythme, la joie, la communication et l'unité. Sentir et on va ralentir le mouvement. Et les mains ne touchent plus le corps, comme si le corps élargissait. Ah, comme le volume du corps autour de notre corps. Même travail, mais inspire, expire. Inspire autour. Expire, passe. Un, deux, et trois. Sentir cette douceur, sentir cette profondeur à l'intérieur et à l'extérieur. Mettez une ceinture. Communiquer par le centre, fais balancer le bras, par le principe du Qigong, le Tai Chi, tout, deux, et inspire.
une fois notre corps fluidifié, ah, partout, on est libre. Amen, une ceinture. Hein? L'équilibre. Amen. Une ceinture. Libre, fluide, le corps fluide, 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 le corps fluide, fluide, le corps fluide, le centre périphérique, le centre périphérique, partout, centre fluide. Donc le chi dance, à la fin de chaque méthode de base, va nous amener dans un état libre des expressions. Sentir partout le corps communiquer, toutes les articulations assouplies à l'intérieur du mouvement et le fluide. Donc il y a une méthode qui est très importante. Actuellement, je vais le développer dans toute la formation des temps du corps, c'est le chi dance par deux. En effet, c'est presque le chi kung, les arts martiaux, par deux personnes au début. Donc pour le stage, c'était 3, 4, 5 février, vous allez venir partager avec nous cette belle expérience. Je vais vous montrer les premiers trois mouvements. À trois niveaux, le corps inspire, expire, inspire, expire, inspire tout le corps, expire, trois fois, quatrième fois, le corps humain, au-delà, le ciel et la terre, et amen, et tout. Inspire, expire. Inspire au-delà. Détends. Et tu. Ah, donc, ouvre notre corps interne. Trois niveaux. T'entiens. Tantien, ouvre le cœur. Ouvre l'esprit. Et le corps communiqué avec le ciel et la terre. Trois niveaux. Ouvre le corps. Ouvre le cœur. Ouvre l'esprit. Ouvre vers le ciel et la terre, microcosme du corps, arc macrocosme de l'univers. Sachant de le mouvement effectué par deux et sentir le yin et yang, de mouvement de nous-mêmes et celui de partenariat. Un, hein? Partenaire. Deux. Un, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et tout. Et une union change. Un. Deux. Sentir la communication de chi entre soi-même et partenaire. Un, deux, trois, inspire.
mains connectées. Les pieds, deux mains connectées. Ah. Utilisez le contact de là au cou avec quelqu'un d'autre pour remplir le mime, remplir le corps. Ah. Sentir. Ah. Utilisez la force de l'autre pour libérer son bassin. Là au cou, c'est communique. Là au cou, c'est communique. Et ouvre. Là au cou, c'est communique. Ah. Et utilisez aussi le mouvement. On peut effectuer le mouvement. Ah, des mouvements, déplacement, relâchement, déplacement de personnes. Mine, yonchu. Lâche. D'un coup, le mouvement des bras, il est libre. D'un coup, on peut faire le travail des bras, des communications chi avec l'autre. Communiquer avec le feuille, avec le ciel, avec la tête. Comme tous les éléments de la nature. Ah, tous les chidens, après le mouvement de base, on arrive à un travail de spontané, la joie de s'exprimer, la joie de s'écouter, la joie de communiquer, de libérer.